Alors, du coup, bonsoir à tous et bienvenue pour le premier épisode de Ratchet & Clank, l'attaque ça compte, que j'ai acheté récemment. Du coup, c'est un jeu qui est tiré de la version PSP, mais avec les fonctionnalités PS5 qui sont légèrement améliorées. Voilà. Du coup, on fait un petit peu de rétro ce soir. Ah, chargé parti, j'ai pas. Ouais, j'ai créé une nouvelle partie, donc c'est bon. Et puis, on aura droit de tête au trophée aussi. Dur aujourd'hui. Sans blague, Clank, j'en ai marre des trucs de héros. L'univers n'a qu'à se trouver un autre sauveur. J'ai besoin d'un peu de temps. Quand il y a un problème, il est de notre devoir de veiller à ce que... Oh, hey! Mais ça va pas la tête! Wow. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends des photos pour un projet à l'école. On a un devoir à faire sur les héros. Et je vous ai reconnus tous les deux dès que je vous ai vus. Vous êtes Ratchet, hein? Oh, mademoiselle à l'œil pour reconnaître les meilleurs. Je me demandais s'il serait possible de prendre des photos de vous en train de faire un truc super héroïque. Oh, ben oui, pourquoi pas. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose d'héroïque à faire dans le coin, mon canard. Oh, je pourrais soulever Clank à bout de bras, qu'est-ce que t'en dis? Je me disais plutôt que vous pourriez vous battre contre des robots, par exemple. Moi, je sais où il y en a. Eh ben, j'ai un massage prévu dans 15 minutes, mais... Oh, et puis zut. Allez, je peux bien faire un peu d'exercice. Allez, mon vieux, on va y montrer ce que c'est de vrais héros. Je sens que je vais le regretter. Hop. Ouais, c'est mémoristique, mais bon. Ah, ce que je peux faire retourner en arrière, comme si je me plante dans un truc, ça c'est bien. Pré-réglage visuel d'abord. Plus moderne, arcade classique ou arcade moderne. Ah ouais, on peut voir même la manette PSP pour les réglages. Elle va casser des bestioles. Allez, casse du tronc. Ouais, ça coûte 10 000 boulons pour avoir la première arme, mais bon, on n'a pas ce qu'il faut. Par contre, si le son du jeu il est plus faible comparé à ma voix, c'est normal, hein. Comme c'est un ancien jeu, de coup, j'ai pas la balance des sons. Ah,
L et R pour t'accroupir. Une fois accroupi, appuie sur la touche X pour réaliser un saut en hauteur. Les robots. Au début, il n'a pas d'armes, ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est ce que je pense, mais après. Mais je suis sur le. Pour avoir la première arme, il faut avoir 10 000 boulons. Mais que si on a une arme offerte dans le petit niveau tutoriel, entre guillemets. Pour faire un grand saut, appuie sur les touches L, R et X tout en courant. Bah oui, là je suis tombé. Moi j'ai compris. Oui, j'ai compris. Tout en courant pour faire un grand saut, appuie sur les touches L, R et X. Tout en courant. Ah d'accord. Pour faire un grand saut, appuie sur les touches L, R et X. Tout en pour faire un grand saut, appuie sur les touches L, R et pour faire un grand saut. Attendez. Sur les touches L, ah, j'ai compris. R et X. Tout en courant. Ok, j'ai compris. Pour faire un grand saut, appuie sur les touches L, R et X tout en courant. Tant que j'ai pas réussi ça, va me répéter la phase. Appuie sur les touches pour faire un grand saut. Voilà. Appuie sur... Ah, c'est bon. Select enfoncé pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Maintiens la touche Select enfoncée pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Bah, je suis en visée subjective. Mais la porte, elle s'ouvre pas. Je veux bien ouvrir la porte. Select enfoncé pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Maintiens la touche Select enfoncé pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Bah, j'ai touché la cible. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Bon, bah, ça commence bien. Porte de guet. Je veux bien avancer, mais je peux pas. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Je veux bien taper la porte. Simultanément sur les touches L et R pour t'accroupir. Pour faire un grand saut, appuie sur les touches L. Pour faire un grand saut, appuie sur les touches. Maintiens la touche Select enfoncée pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée. Pour entrer en visée subjective. Vise la cible et tire les dessus pour ouvrir l'entrée.
Mais je te tape! Je te tape! Tu peux pas me laisser parler! Non! Mais je tape, ça t'affiche ici depuis tout à l'heure! Et à force, ça va être toi la cible! Ah non, mais c'est une blague honnête! Mais non, mais la blague, là, franchement, la bonne blague! Ça, ça va clipper parce que. Voilà. Moi, je peux rien faire, hein, je suis bloqué. Elle dit appuie sur ses lignes, méchant, blablabla! Mais je m'en fous! Tu vas me le répéter 5 millions de fois! De l'aide contextuelle, on s'en fout, de l'aide vocale non plus. Allez. Mais non, pourquoi j'ai mis réinitialisation? Voilà. Normalement, elle ne va plus me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense pas, si. Voilà, c'est bon, elle a arrêté de dire. Faut que je m'approche plus près. J'ai l'impression que la porte elle est buggée. Je sais pas quoi faire. Le fail de la porte. Bon. Je m'acharne avec la fichue porte à la. À la. À la con. Comment dire. Porte à la con. Simplement. Ah ouais, d'accord. Porte à la con. Ça m'est jamais arrivé dans des Ratchet & Clank qu'une porte fermée ou je sais pas quoi. Franchement, là, je suis à court d'idées, je suis à court de solutions. Ah ben, j'ai un trophée. Ça s'appelle Sushi de Lobax. Un premier trophée. Est-ce que tu viens de donner des moulins en plus? Parce que moi je peux acheter ma fichue arme. Il m'en faut 10 000. Je suis encore loin du compte, je sais bien, mais bon. Peut-être en rafraîchissant le niveau, peut-être ça. Parce que j'étais obligé de rafraîchir le niveau. Hein. Peut-être en rafraîchissant le niveau, peut-être ça a dû faire débugger la fichue porte. Des robots vacanciers. Ça, j'ai compris. Mais je tape dessus. Ah, mais j'avais mon arme. Oh là 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 là. Mais j'avais déjà une arme. Ben voilà pourquoi ce qui va pas. Ah, ma vie. Oui, parce que je voyais une boîte de munitions. Et je me suis dit, attends, et... Il n'y a pas de logique. Ah, voilà, ça y est. Allez, dehors, le boostique.
les bestioles dehors. Voilà. J'ai enfin débloqué ma situation. Oula, wesh. Peut-être économiser un peu les munitions, mais c'est plus beaucoup, 28. Ouais, j'ai gagné un point de vie supplémentaire. Voilà. Oh, encore trois loustiques qui arrivent là. Voilà. Bon, je vais pouvoir remettre les aides en question. Voilà. Parce que c'est pour ça que je me suis dit, je tape la porte et elle ne marche pas. Je dis, mais attends. C'est moi qui n'avais pas réfléchi. Ah, les crabis. Les petits crabis. Ça mange pas de pain. Ah, quelque chose d'intéressant. Cuirasse de feu. Fashionistien. Ah, d'accord, premier trophée fashionistien. À la fin du tutoriel. C'était super. J'ai hâte de les montrer à tout le monde. Quoi ? Clank, quelle coïncidence. Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis Ratchet et Clank et je les épie pour être sûr de pouvoir faire partie de leur prochaine aventure. Hey, c'est ce que je fais aussi. Enfin, non, je veux dire non. Vous n'avez vraiment nulle part où aller? Chez vous, chez vos parents, par exemple? Salut, Quark. Joli chapeau. Désolé, Quark. Mais quoi, c'était le chapeau de ta maman, c'est ça? Attends, franchement, on va pas en faire un fromage, c'est qu'un chapeau. C'est pas ça. C'est ma mère et mon père. Je n'ai jamais connu ma famille. Ils m'ont abandonné quand j'étais petit et j'ai été élevé par des singes. Ok. Merci pour l'info. Vous devriez peut-être essayer de retrouver vos vrais parents. Attrapez-la. Elle est là. On dirait que je vais être en retard pour mon massage. C'est parti. Allez, pas de passage, voilà. Aïe.
André des Urcom. Parce que les petits robots me fait rappeler les Urcom. Dans les autres Ratchet, dans la série Ratchet. Tes bottes gravitationnelles t'aideront à fouler des surfaces magnétiques. Essaie de monter sur ce mur. Bottes magnétiques. Gravitationnelles. Aïe, aïe, plus de 3 vies. Ça bouffe un point de vie à chaque fois. Ah, je suis passé à 7. Oh merde, je me fais bouffer. Oh ben voilà. Bonsoir et bienvenue. Aïe. Non, I speak French. I am speak French. You stream on French. T'aideront à fouler des surfaces magnétiques. Essaie de monter sur ce mur. Ah, un robot qui est un petit peu buggé, mais c'est rien. Ça arrive souvent ce genre de bug. Bon, c'est facile, je vais pas me faire avoir encore une fois. C'est pas ici la suite. Directionnel pour passer en mode latéral. Ils font feu, les robots. Aïe, plus que 2 points de vie, je vais crever. Aïe, plus qu'un. Ah, ça craint là, j'ai plus de vie. Ce que je vais faire, je vais retourner en arrière pour chercher un peu de vie. Si j'en trouve. Ben là, malheureusement, j'en trouve pas. Donc c'est ma dernière chance. Nouveau gadget. Des fameux gants. Les gants de feu sauvage.
veux te servir du pad analogique pour le mode latéral, tu dois régler cette option dans le menu Caméra et Commande de l'écran Options. Allez, passe une arme un peu plus forte. Lacérateur V2. La petite crabe. Crabe démarrée. Oh, un boulon titane. Et un trophée, amateur de boulon. Acquise, en route pour Calydon. Au secours ! Aidez-moi ! Ah, ils sont partis avec elle. Qu'est-ce qu'ils doivent bien vouloir, une gamine ? À mon avis, ce n'est pas la fille qu'ils cherchaient. Je pense plutôt que c'est ça. Ah bah oui, Qu'est-ce que c'est ? Si mon bloc mémoire ne me fait pas défaut, je pense qu'il s'agit d'un objet technomite. Ouais, c'est ça. Bon, allez, franchement, qu'est-ce que c'est ? Ceci est un objet technomite. Voilà, et... écoute, Clank, cette gamine est en danger et on peut l'aider. Les technomites, ce sont des êtres imaginaires inventés par les parents pour expliquer la technologie aux enfants. Ça n'existe pas ! Je pense qu'ils existent vraiment, et ceci en est la preuve. Ça explique pourquoi ces robots cherchaient la petite pour récupérer cet objet. On a... Vous avez... Un petit sprint. Ah ! Est-ce que c'est ce que je pense que c'est ? Fais voir. Je n'avais jamais vu un tel truc depuis...
En fait, je n'en ai jamais vu, mais j'ai entendu des tas d'histoires sur les technomites et leurs objets mystiques. Les technomites n'existent pas ! Mais cet objet est notre seule piste. Le seul moyen de retrouver cette petite, c'est de suivre les coordonnées gravées sur le côté. Ok, on se tire d'ici. Salut, Quark. Cette fois-ci, te mêle pas de nos affaires. Voilà, on va visiter un autre endroit. Les technomites semblent avoir abandonné cet endroit. Ouais, les technomites. Quelle bande de petits rusés. Allez, finissons-en vite. Par où on va ? Bien. J'irai par là, mais ce que j'en dis. Oh, Quark. Tu peux pas nous lâcher la grappe un peu ? Eh, je peux vous aider, je connais cet endroit. Est-ce que vous savez par où il faut aller ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'y gagnerai, moi ? Tu veux retrouver tes parents, pas vrai ? Bah voilà, écoute ce qu'on va faire. Si tu nous dis où aller, tu pourras rester ici et utiliser notre ordinateur de bord pour faire des recherches sur ta famille, mon petit gars. Ah ouais, bonne idée. Merci, les gars. Quark, où devons-nous emmener l'objet ? Essayez le grand bâtiment. Les choses intéressantes se passent toujours dans les grands bâtiments. Merci, Quark. Tu nous aides beaucoup. Oula, oula, oula. Un volant titane. Ces caméras sont vraiment pot de colle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ignore-les. C'est sûrement un système de sécurité automatique. D'accord, on continue. Ça explose bien, ces trucs.
Ouh là là. Ça dégueule des trucs là. Aïe. Ah, elle fait très mal cette plante là. Cette plante polymorphe semble utile. Et si tu l'arrosais avec ton germomatique? Oh, doucement, l'ami! Tu vas blesser quelqu'un! Ben dis donc, c'était moins une. Allez, maintenant, donne-moi ce pistolet à eau, bonhomme. Ça marche! Youhou! Mon super germomatique fonctionne enfin! Un germomatique, dites-vous? De quoi s'agit-il? Si vous tirez avec sur une plante polymorphe, elle vous suit. Oui, il suffit d'arroser l'électrotère et instantanément, la plante prend racine et se métamorphose en plateforme, en créature, en objet de votre choix. Tu entends ça, Ratchet? Cela pourrait nous être très utile. C'est ça. Cool. Comme vous m'avez aidé à finaliser le test, je vous donne ce prototype. Silence, ça pousse. Une fois plantées dans l'électrotère, les plantes polymorphes te permettent d'acquérir différentes aptitudes. Le fruit de ce germe est un puissant explosif. Tu as planté un plantolanceur.
Sélectionne l'hyperswing dans le menu de sélection. Rapide. Vise la cible et maintiens la touche cercle enfoncé pour t'y accrocher et te balancer. Sélectionne l'hyperswing dans le menu de sélection rapide. Bonsoir les tricards. Et maintiens la touche cercle enfoncé pour t'y accrocher et te balancer. Un petit classique de la PS2. PS2 ou plutôt même PSP parce que voilà. Voilà, il y a trois plantes carnivores qui m'ont craché dans la gueule. Il y a déjà une en moins. Et deux en moins, il en restait plus qu'une. Allez, V3. V3 le lacérateur. C'est une arme que je vais utiliser très souvent, le lacérateur. J'arrose la petite plante pour qu'elle me suive et après je vais la planter ici. Aïe, 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 ça pique. Qui dit j'améliore plus mon arme, bah, plus elle devient forte. C'est ce qui est logique. Comme 90% des jeux. Voilà, un nouveau accessoire, le casque. Ah, un téléporteur. Là, le vaisseau, d'accord. Ah, un petit truc pour ouvrir la porte. Super, c'est fermé. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. Ben, allez, viens, on se tire. Je crois que je peux me glisser dans cette fissure. Attends-moi ici et je t'ouvrirai la porte de l'intérieur. D'accord, mais fais vite, j'ai pas la journée. Allez, c'est parti pour Clank. Appuie sur la touche carré pour donner des coups de poing avec Clank. Ces robots gadgets sont extrêmement utiles. Libère-les en brisant leur cage de verre pour ordonner à tes robots gadgets. Il y en a sur PS5, ouais. Ouais, mais j'ai pas encore pour le dernier. Donner diverses instructions au robot gadget, maintiens la touche triangle enfoncée. Pour ordonner à tes robots gadgets de te suivre, lance l'instruction suivre. Thank you.
Voilà. Petit robot. Pour que tes robots gadgets combattent des ennemis, lance l'instruction attaquer. Aïe. Je prends un peu de dégâts, mais ça va. Planck, c'est le plus choupi des deux, ouais. Alors le jeu là, c'est la version d'origine de la PSP, mais qui l'a adapté sur PS5 et PS4. Bulldozer. Pour récupérer des robots gadgets, vise-les et appuie sur la touche cercle. Sur la touche triangle pour quitter le bulldozerator. Voilà. On dirait qu'il est bugué. Les petits robots à gauche qui sont buggés, plus un petit modèle qui est bugué. Excellent. Voilà, à tout casser. Bon, ben, deuxième bug de la soirée. Ah, c'est comique la situation là. Elle est très comique. Je pensais pas que ça allait arriver. Voilà, il se prend au mur, oui, bah oui, logique. J'ai enfin débugué la situation. J'ai des situations sous la main. Je me suis rouvré. J'ai bien créé des situations un peu folles. Alors c'est parti avec le bulldozer. Ah, les fléchettes.
Voilà. On s'est reparti encore pour le truc bulldozer. Des nouveaux robots gadgets. 3 de plus, ça fait 6. Le rocher qui arrive. Ouais, Stream Element, il a du retard. Hein. Je suis désolé. Et où le sixième? Oh non, il s'est fait écraser. Bon, je vais leur donner d'attendre ici. Ne bougez pas les petits. Il en manque un. Na, à deux mondes cruels. Les robots gadgets détruits ressuscitent. Monte dans l'ascenseur pour te faire escorter en bas par le reste. Malheureusement, je peux pas. Eh, venez, venez, venez. Venez les robots. Je vous attends. 2, 3. 3, 4, 5. Il en manque un. Il en manque un sixième. Et au sixième. Et d'être bloqué dans un mur. À tous les coups. Mais j'en avais 6. Ah bah oui, il était bloqué dans un mur, comme d'habitude. Allez, venez, venez. Viendez. Viendez. Venez les petits. On va attendre la prochaine pierre qui apparaisse et puis on y va. Allez, c'est parti, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bon. C'est bon, je les ai les 6. On attend la prochaine pierre qui arrive à descendre en bas et puis on bouge. Bon, c'est bien, on y va, go, 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 go. Go, go, les petits robots. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bon. Attends, la prochaine pierre qui descend. Go! Go, go, go! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Oh, c'était chaud, hein. C'était limite. Ah, il en faut 3 ici.
Allez, rentrez dans votre petite maison. Petite maisonnette. Bah alors. Il y a toujours un qui veut pas y aller à la maison. Bah alors, il veut pas aller à la maison celui-là. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Le temple va être ouvert. Voilà. Et comment on sait que ça va pas exploser quand tu poseras ce truc là-dessus? On ne sait pas. Voilà, je te l'avais dit. On perd notre temps. C'est une salle des cartes technomythes. Ils ont construit ces pièces pour surveiller les planètes qu'ils ont habitées. Celle-là, c'est Calydon. Hey ! Mais c'est là que le soldat robot voulait emmener cette pauvre gamine ! Exactement. Et ça, ce sont ses coordonnées. C'est bien la première fois de ma vie que je les vois sur une carte. Alors qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Bon bah on n'a plus rien à faire, on peut partir. Hein. Allez, on est retourné au vaisseau. Alors Pokita Rouge est un boulot sur deux, là aussi. Ah, il y a trois boulons sur celui-là. Cadillon. On va partir sur la prochaine planète. C'était trop facile. Il y a quelque chose qui cloche. Facile ? La prochaine fois, c'est moi qui grimpe sur ton épaule et toi qui te bats, ok ? Ce que je veux dire, c'est que pour un peuple qui veut rester caché, nos amis les technomythes ne se donnent vraiment pas beaucoup de mal. Ça y est, j'ai retrouvé mes vrais parents. J'étais en train de surfer quand j'ai reçu un message d'une société appelée FamilleArnaque.com. C'était mon arbre généalogique. Il faut que je les retrouve. Bonne chance pour ce que vous êtes en train de faire. FamilleArnaque.com. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi ? On s'en fiche. Au moins, il est parti. Allez, on y va. Les agents ravageurs, le brûleur. Ouh. Est-ce que j'achète maintenant ou j'économise ? Parce que je sais qu'il y aura des autres armes qui vont arriver bientôt. Non. On va attendre. Le brûleur, ça peut être intéressant. Ça va péter. Voilà. Ça, je sais ça. Ah, c'est quoi la boîte? Le vendeur. Ah, c'est pour acheter des mods en plus. Ouais, ça c'est bien. Motif verrouillage, ne rate jamais la cible.
Ou le motif canon large. 5 000. À 5 000 boulons. Motif verrouillage qui rate jamais la cible. Ouais, je vais bien prendre le motif verrouillage, c'est mieux. Voilà. Arme mécaniquement modifiée. Voilà. Et 15 000 le prochain pour le canon large. Ah, c'est qui le gars? Alors, on bricole? Quoi? Pourquoi? Qui êtes-vous? Ah, l'overboard. Vous êtes du comité? Désolé, monsieur. Je connais l'overboard. Ouais, ben on n'est jamais trop prudent de nos jours. D'abord, on m'accuse d'utiliser des nanoroïdes. Et après, de l'alternafuel de contrebande. Est-ce que j'ai une tête de tricheur? Pas du tout. Vous m'avez l'air irréprochable. Ok, mon vieux, c'est parti. Je vais vous prouver que je suis pas un tricheur. Si vous me battez, j'ai une surprise pour vous. Ah. Moi, je veux bien la faire la course. Prix inconnu, d'accord. Merde. Merde, pouf. Merde. J'ai pu voler ou quoi? Oh là là, mais je suis nul. Combien de tours? 3 tours, ça va. C'est que 3 tours, ça peut aller. Dernier tour. C'est pas évident ça, la course d'overboard, la petite course de overboard. Merde.
Merde. Ah, j'ai gagné la course. Et c'est quoi la récompense, chef ? Si je me trompe pas, vous m'aviez parlé d'une surprise, il me semble. C'est un rayon réducteur. C'est extrêmement difficile à trouver. Ah, et prenez ça aussi. Elles sont un peu trop glissantes pour moi. Bah, deux trucs, hein. C'est bien. 2500 boulons prochain. Après le défi des maîtres. Mais non. Pourquoi j'ai accepté ? Ah. Un rayon réducteur. D'accord. Mmh. Il y a 3 boulons de titane dans le secteur. Eh, de l'antithèse tête cachée. Eh, c'était facile. Je sais. Ça me paraît logique. Mais ça fait 1 sur 3 déjà. Ah, dans le glissoverrou. Ouais, c'est particulier. Glissorail, ça fait ramper. Machette Gladiator. Aïe. Oulala, 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 oulala. Des robots espions. Ce jeu, il est initialement sorti sur la PSP, parce que c'est Ratchet & Clank, la taille ça compte. Il est sorti initialement sur PSP, et l'on remis sur PlayStation 5 et PS4. On peut jouer dans les deux consoles. Et moi, je l'ai payé au prix de 9,99€, c'est-à-dire 10 balles. 10 balles le genre des maths. C'était évident, ça allait descendre. Ça va arriver des ennemis, c'est obligé.
Oh oh. Ça, j'aime pas ça. Lance cette grenade là. Ça signifie rien de bon. Ah, encore les fameuses grenades. Encore de la visite. De l'ascenseur pour PSV. Ouais, adieu l'ascenseur. Ouais, le coup de l'ascenseur qui se casse la gueule. Ça, je m'en souviens très très bien. C'est un classique des Ratchet, ça, le coup de l'ascenseur qui se casse la gueule. On va activer la console. Oh merde. J'aurais pas dû. Ah, il y a une espèce de fluide. Une course contre la montre. Parce que ça va vite, ça va très vite, ça. C'est du fluide toxique. Ça, faut, c'est course de vitesse. Faut se dépêcher. Voilà, hop, on a obtenu les bottes. Un style à toute épreuve. T'as récupéré l'armure de feu complet. Pour maintenant, je peux taper les ennemis avec le feu. Et j'ai gagné, ça m'a permis d'avoir un nouveau trophée. C'est évident. Voilà, c'était logique de faire comme ça. On casse tout. Point de passage.
Je sens que ça a été une course de vitesse aussi également. Bon, peut-être pas. Ah oui, c'est avec le temps. Le truc du swing. Alarme, alerte. Les petits robots. Petits modules robots. Encore ? Ah, maintenant des robots classiques. Encore ? Encore. À 103 maintenant. Encore ? Fini ? Fini. Allez, encore le glisseau verrou. Ça fait esquiver les balles. Perdu. Ah ben, malgré que je me suis fait cramer, j'ai réussi à passer. Mais bon, ça m'a sacrifié la moitié de ma vie. Ah ouais, la fameuse boule d'énergie là, ouais, ça je sens pas, je le sens pas trop ça. Ah ouais, ce point de passage là, celui-là, il est ultra relou. Ah, je sens que ce passage il est relou. Il faut taper au bon moment sur les bordels. Voilà, pouf, dégage. Ça, ça fait des dégâts, mais ça fait mal hein. Non seulement ça fait mal, mais c'est terrible. Et je peux tomber. Faut taper au moment. Au moment parfait. C'est très labyrinthe en plus. Ouais, je t'ai eu. Je t'ai vu. Est-ce qu'il faut que j'aille à gauche, à droite ou tout droit, je sais plus. Faut pas avancer trop vite. Faut penser au feeling. Voilà, qu'est-ce que je disais. Au feeling. Ah, j'ai trouvé la suite. Ah non, je suis revenu au début. Oh, le troll que c'est. Oh, mais comme c'est un gros troll ce niveau-là.
Un dire que je vais me refaire. Hop, ça dégage. Ah, c'est là la suite. Bingo. Oh là là, oh bordel. Ouais, point de passage. Voilà. Pour moi, une grande zone, ça sent un boss. 47 piles. J'ai assez. Allez, acheter, oui. J'ai passé pour l'autre. J'ai acheté le brûleur. Allez, c'est parti. L'heure du boss nous appelle. Bonjour, comment allez-vous, cette aide de créature vilaine? Bah, moche. Change de tactique. Il envoie ses bombillettes. Vas-y, envoie tes bombillettes. Les bombillettes. Vas-y, envoie tes bombes. Vas-y, envoie tes bombes. Loupé. Encore loupé. On esquive tout ça. Ah, ça y est, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se balance. Là, ça craint là par contre. Là il est phase 3, et là il est P3. Il a une P3 ce boss. La P3 c'est toujours la pire. P4 hein, en faisant ça.
Il mélange la P2 et la P4. C'est bon. Singerie spatiale éliminée. Voilà. Ouais, il a mélangé entre la P2 et la P4. C'est vers la fin. C'est ça qui est un truc de malade. Ah, nouvelle armure. Pour changer des éléments de ton armure, cuirasse dégueu MK9. Ouais. J'ai gagné toute nouvelle armure. Des singeries spatiales. Waouh! Merci les amis! Vous êtes mes héros! Mais je ne me suis pas présentée! Je m'appelle Luna! Nous devrions partir avant que le comité d'accueil n'arrive. Mais je n'ai même pas eu le temps de raconter à mes amis cette histoire totalement héroïque. Attends, tu veux dire cette histoire, non? Ratchet, tu es vraiment très grossier. Non, cette histoire. Ils ne me croiront jamais quand je leur raconterai que j'ai piégé des héros comme vous si facilement. C'est très bien, ma petite Luna. Maintenant, dis, un chasseur sachant chasser doit... Il essayait juste de t'aider. Vous en avez déjà assez fait. Nos caméras vous ont suivi et ont filmé chacun de vos mouvements. Et maintenant, on a toutes les informations qu'il nous faut. Ouais, on les a eues. C'était vraiment trop facile. Hey. Quel piège. On s'est fait avoir. Mais où suis-je? On dirait qu'ils vous ont pas raté, soldat. Vous êtes sur la planète Metallis, en pleine guerre des robots. Metallis? Je me souviens d'avoir parlé à Luna, mais ensuite... Oh, c'était moins une. Vous devriez partir, soldat, ou vous allez finir comme moi. Tu peux l'activer en appuyant sur la touche cercle. Oh, mais les fils de chien, les chiens que c'est. Je peux pas quitter l'arène, sinon ça fait revenir au menu, c'est ça? Ah, d'accord. Ah, mais je suis obligé de faire cette mission? Ou pas? Ah non, mais c'est vraiment des chiens. Je peux explorer ou pas sans... oui, parce que je voyais de faire la mission là, mais je me suis dit, bah, attends, je peux pas la faire. Le jeu, peut-être, il va me dire, bah non, tu peux pas la faire parce que faut que tu fasses autre que cette mission là. Mm-hmm.
Mais je suis obligé de faire Métalis, hein, pas le choix. Ah, punaise. Ouais. Ah, purée. Non, j'ai pas le choix de faire la mission. La mission, c'est de faire le combat d'arène. Casque Crystalix, destruction derby. Les gants Crystalix. Le casque dégueu MK9. Non, je suis congelé. Oh le salaud, saligo. Saligo. Ah, il m'a envoyé dans les décors. Merde, il m'a envoyé dans le décor. Gagné. Voilà. Hop. J'ai assez la mission. Tu as vu Ratchet? Tu sais où il se trouve? Le traitement du sujet 261595 a progressé de 33%. Commencez examen interne. Téléchargement des coordonnées. Il faut que je le retrouve. Poussin, coincé des robots gadgets, pris de mille boulons.
Putain. Et ta sœur aussi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah, le saligo. En fait, le prochain point, ça sera pour moi. J'ai compris maintenant. On a gagné. C'était, voilà, c'est fait, voilà. Paf, les poussins, c'est fait. Un bon commandement chargé. Nombre de boulons 2000. C'est quoi les poussins? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai perdu. Voilà, c'est bon, gagné. C'est gagné. C'est faut trouver la solution. Pour ça, j'ai bien fait faire un marche. Voilà, de faire une petite marche arrière, parce que pour de rembobiner, je veux dire.
Alors, bah, du coup, ça c'est. Je suis de retour. Re les gens, re tout le monde. Destruction d'Herbie, encore. Lancer de robots gadgets, ça, oui. Ouais, on m'a demandé d'être sur une nouvelle planète, mais bon, faut que je sorte de cette planète déjà. Qu'il n'est pas simple, la sortie. Ah si, je vois une lueur là-bas. C'est peut-être là-haut la sortie. Quoi? Glanque géant. What? Ouais, d'accord. C'est un peu comme Space Shooter. Bon, l'esquive. Aïe, 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 je commence à m'en prendre cher un petit peu. Aïe, je commence à prendre cher là. J'en ai marre de me prendre des dégâts. Ok, ça, ils auraient tout le temps des trucs. C'est une mission dangereuse et tout là, c'est chaud. Aïe, j'ai pris des gros dégâts par contre là.
j'ai restauré, c'est bon. Pas que je fasse n'importe quoi, faudrait un point de passage. Ah, ça y est. Bordel. Je t'ai eu. Les gants électrochocs. Voilà. C'était chaud là par contre là. Je pensais pas ça va être compliqué avec la mission Clank là. Oh là là. Vous aurez besoin d'un plus grand scalpel, docteur. Doucement, mon grand, ça ne fait que commencer. Mais si tu ne supportes pas la vue du sang, tu ferais mieux de fermer les yeux. C'est bon, Ratchet. Tu peux venir. Il n'y a aucun danger derrière cette porte. Ah, on est dans son rêve. Éléments de ton armure, appuie sur la touche Start et sélectionne le menu Armure. Aspire au canon.
pourquoi j'attends le zzzzzz. Après le passage, c'est bien, voilà. Double. Ouais. Nice. Celle-là, c'est ma préférée. Ah bon? De quoi? Mais ça one shot. Mais c'est quoi cette merde? Abusé. Moi, j'ai esquivé. Ratchet, Ratchet. Allez, Ratchet, réveille-toi. Ne m'abandonne pas, on a encore du pain sur la planche. Je savais bien que cette Luna n'était pas nette. Tout est de ma faute. Un miroir. Ah ouais, c'est pour faire croire qu'il y a de l'illusion. C'est très malin. Escalader des espaces étroits grâce au saut mural. Pour cela, saute sur un mur, puis dès que tu le touches, appuie rapidement sur la touche X.
Bon, je suis tombé dans le vide. Bon, pas grave. Wow. C'est bon, c'est tous les ennemis. Ah oui, c'est bon.
Ah, ça y est. Oh bordel. Qu'est-ce que je dois faire là dans ce cas-là? Fuir? Ok. Ne m'abandonne pas. On a encore du pain sur la planche. Je savais bien que cette Luna n'était pas nette. Tout est de ma faute. Ah, c'est pas ta faute. Allez, c'est moi qui suis un peu borné. Tu m'entends ? Attends, t'as vu la taille de mes oreilles ? Bien sûr que je t'entends. Voilà. Il a réussi à sortir du rêve. Content que tu sois vivant. Où est-ce qu'on est ? Nous avons été piégés par Luna. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, mais apparemment tu as subi des tests. Je crois qu'on t'a prélevé quelque chose. C'est bizarre, j'ai un méga mal de crâne, mais sinon, je me sens plutôt bien. Bon, si nous voulons connaître le fin mot de l'histoire, nous devons d'abord sortir d'ici et ensuite retrouver Luna. Laisse-le-moi, Clank. Je vais lui faire sa fête. Je crois que tu l'as eu, Ratchet. Et ça ne fait que commencer. Allez, glisse au rail.
Ça, c'est un piège, le truc rouge. Visez des ennemis au plafond, appuie sur la touche X. Eh hey, putain, ta chiotte va! Et ta chiotte! Mais merde, j'étais presque! Hein. Allez, on est presque gagné. C'est bon. Voilà. Ah, t'as chaud d'appui sur les plaques. Ou pas. Ça, c'est malin. Du renfort. Oh, mais ta chiotte.
Ah, yeah. Qu'est-ce que c'est encore comme serrure? Ah, je dispose toutes les armes. Oh, ils ont du bouclier, ils ont du shield. Oula, oula. Ça commence à sentir le roussi par là. Punaise! Allez, c'est parti pour là. Oh, mais ta connerie.
à l'acide. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait quelque chose comme un laboratoire. Je vais te dire, quand on me cherche, on me trouve. Il faut partir avant qu'il soit trop tard. Oh purée. Ah, j'aime pas ça. Gagné. Ça fait beaucoup de vie. Hein. Non mais j'ai pas de passage. Merde. Eh ta mère.
Mais ta mère Et ta connerie aussi, là. Va chier dans ton chapeau, le truc. Mais va chier dans ton chapeau. Oh putain. Ah, ah, ah. Et allez, va te tirer en papa outé, hein. Que 60. Impossible, moi je vous le dis. Mission échec. J'ai la rage. Mais j'étais à 24! Ah, désolé pour la bonne crit, mais là c'était trop drôle. J'étais à 24!
Ta connerie. Putain. Ah, bordel de route. Voilà. Je fais exprès de mourir, comme ça je recharge mes munitions. Voilà, on passe niveau 3. Voilà, enfin! La station est sur le point d'exploser. Il faut partir illico. Regarde ça! Un petit souvenir de Luna. Les tests sont terminés, Votre Majesté. Je m'apprête à partir pour la ville avec le colis. Excellent. Tu es sûr qu'il est vraiment irréprochable? Tout à fait sûr. Nous avons créé un sujet. Et il a fallu 26 de nos meilleurs guerriers pour le détruire. Puis-je savoir... On va s'arrêter bientôt. J'ai envoyé le faux message. Cet imbécile de quark est tellement facile à manipuler. Je vous contacterai lorsque j'aurai livré le colis. Luna, terminé. J'ai les coordonnées. Ok, écoutez-moi bien. J'ai trouvé deux skyboards identiques pour nous départager. On refait une autre course pour désigner le vainqueur. Ce ne serait pas un polarisateur sur votre module d'accélération de matière noire? Ah bon? Vous croyez? Je ne l'avais jamais remarqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez faire la belle? Le polarisateur est à vous si vous gagnez.
Allez, va juste sauvegarder. Voilà, ça c'est fait. Voilà, du coup, je vous souhaite tous une bonne soirée. Je remercie la modération. Je remercie à Lizer de leur un petit coucou. Voilà, du coup, je vous souhaite tous une bonne fin de soirée et puis bonne nuit. Et puis, je vous souhaite tous à la prochaine. Donc, on se retrouve mercredi pour la suite. Pas pour la suite du jeu, mais pour un autre jeu. Voilà, sur ce, bonne nuit à tous.